Salut Damien. Bonjour Stan. Ça va? Oh, ça va bien. Bon, là comme vous le voyez derrière, c'est Noël. Eh, la magie de Noël. Je trouve que ça fait un peu musique de dessin animé ce que tu viens de faire. J'aurais plus pensé à tout. Moi, le premier gadget, le Kobo. Je vous ai déjà fait une petite vidéo sur le Kobo. Liseuse e-ink à la Fnac. Vous pouvez la router. Il y a plein de conseils sur Stan et Dame. C'est génial pour lire des livres. 99€ si vous êtes adhérent Fnac, sinon ouais. 129€. Lisible, ben, je dirais, ça permet de lire les e-pubs, c'est ça, enfin, la majorité des formats. E-pub, HTML, PDF. Et excellente définition. Vous avez une vidéo sur Stan et Dame. Prenez-le. Oh Damien! Mais retrouve ton âme d'enfant, c'est les oreilles de tigrou. Bah oui, mais c'est Noël, c'est les reines. Oui, mais il n'y avait plus que ça au magasin de déguisement. Si vous aimez, par exemple, aller à l'exposition Game Story, qui est jusqu'à la fin de l'année, à Paris, ou si vous allez aller sur Internet, eh bien, vous allez pouvoir trouver ce type de choses-là, par exemple. Moi, j'adore, c'est un magnifique... Voilà, c'est du rétro gaming, c'est un mug Pac-Man, un rétro gaming avec le joli petit fantôme dessus. Sinon, dans la même série... Sinon, dans la même série, vous avez aussi le champignon que l'on trouve dans Mario. Ouais. Alors là, qui permet de faire boîte, alors à votre choix, là, il y a des bonbons dedans, mais ça pourrait être aussi du bonbon. Ah, des bonbons. Non. Stan, c'est Noël, pas Halloween. Déjà dit. Sinon, le côté Bernard Pivot de ce petit show, c'est ces magnifiques livres que j'adore, qui est une collection très peu trouvable dans le marché. Omoke Books, voilà, c'est... Omoke ! Voilà, ça raconte l'histoire de Nintendo, c'est vraiment, d'abord c'est beau, c'est bien fait, c'est très exhaustif, et c'est, voilà, entièrement en couleur, papier glacé, bref, des très beaux livres, pas très chers, 19€ le livre, il y en a 3, et qui raconte toute l'histoire de Nintendo, du fabricant de cartes à jouer, jusqu'au fabricant de consoles de jeu, en passant bien sûr par les... Vulnérable Game Watch. Évidemment, tu me l'as pas offert. Merci. Frankie Pinatra pour Noël. N'hésitez pas à louer. Bon, moi j'ai un autre gadget, pas récent non plus, le Wakemate. Donc c'est un petit bracelet que vous mettez là, évidemment, à la main, enfin plutôt au poignet, qui va surveiller votre sommeil la nuit, relié iPhone, iPad, Android, et qui va vous faire les stats de la nuit pour savoir si vous dormez bien, et qui vous donne plein de petits conseils pour mieux dormir. Est-ce que c'est mieux que le bracelet Up ? Bah, le Jawbone Up n'existe plus, il y a ça. Petit gadget oui aussi, alors celui-là il est vraiment petit, je l'approche. Donc c'est l'oreillette Jawbone. Moi je pense que c'est un truc du tout. Donc l'oreillette Jawbone qui se met comme ça, hein, avec le système d'annulation de bruit ambiant Assassin 3. Parce que j'allais te dire, ça ressemble un peu à une oreillette classique. Pas du tout. En fait, on le voit mal, on a un petit téton ici qui est posé sur la maxillaire et qui va permettre à vos correspondants de vous entendre par conduction osseuse. C'est franchement pas mal. Combien ? C'est pas mal. 110€, un truc comme ça. Mm-hmm. Les bougies diptyques. Voilà. Donc ça, c'est juste énorme. Diptyque, hein, que vous voyez ici. Sont des bougies parfumées. Alors là, pour les fans de geek que nous sommes, merveilleux, magnifique. Bon, on n'est pas dans le nature et découverte là. Ah non, non, non. Là, c'est gamme au-dessus, vous le trouverez au printemps, à la maison Diptyque, qui je crois est 34 boulevard Saint-Germain, bah, c'est ça. On n'a pas été sponsorisé, promis, nous ne les avons pas payés, mais s'ils veulent nous les payer, il n'y a pas de souci. C'était un petit message, hein. Bon bref. Stan, j'ai toujours rêvé de te tuer dans le salon avec le chandelier. Mais c'est Noël. Mais justement. Mais c'est un grippin! Pas du tout! C'est une enceinte Bose. Ooh. Magnifique enceinte Bose. Donc là aussi, pas sponsorisé, tout ce qu'on vous a montré, on l'a acheté. Hein. C'est on est comme ça. Ah ouais, non, là on n'a pas été sponsorisé là-dessus. Donc c'est une enceinte Bluetooth. Mm-hmm. Je sais que c'est la mode du Airplay, mais là c'est du Bluetooth. Un son de malade mental avec cette petite chose. Mm-hmm. Vous voyez, c'est grand quoi. Mmh. On peut sonoriser une pièce de 30 mètres carrés avec un bon boom boom et l'enceinte quand elle l'envoie du bois, bah, elle bouge pas, hein. Elle est bien stable. Il y a un petit système assez intelligent,
En fait, on peut la poser comme ceci. Et vraiment, mais c'est une tuerie. Et pour la modique somme de combien, Marise ? Oh, on doit bien être à 350 euros, Jean-Pierre. Ah oui, là, on est quand même tout de suite un peu un gamme au-dessus. Jingle bell, jingle bell. Et comme Stan et Dam sont très éclectiques, ils ne sont pas que des geeks, mais ils adorent plein de choses, notamment le design et les belles choses. Stan. Les chaussures l'en. Donc ça, c'est la Rolls-Royce hein, du sneakers, donc avec bout vernis. Qui permet de vous voir dedans. Exactement. Et veau. C'est, franchement, qui ne permet pas de vous voir dedans. Non. C'est de là, mais du super sneaker. Alors là, par contre, c'est super cher. Alors on va éviter de parler prix. Mmh. Hein, mais on va juste dire que c'est très très beau. Vous êtes au-dessus de 400 euros, mais c'est vraiment une tuerie. Et de forme de basket, et de plein de choses. De confort. Très confortable, très très confortable. Si vous avez moins de sous, vous pouvez prendre ça, hein, c'est le hoodie que je porte, hein, qui est assez sympatoche. Cachemire, pur cachemire, vraiment bien. Monoprix. Et il est vraiment pas cher, et c'est un très 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 bon plan pour Noël. Qu'est-ce que tu fais ? Oh. Douce nuit, sainte nuit. Bon bah, on vous souhaite un joyeux Noël avec et bonne fête. Fête. Allez, ouais. Bye. Comme les rois mages ont gagné, ont gagné. Du berger. Oh, celle-là, on la connaît pas non plus.